Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue de nouveau à Dublin. Nous sommes en direct de la capitale irlandaise où le pape François est arrivé ce matin. Le Saint-Père qui effectue un voyage apostolique ce week-end en Irlande à l'occasion de la rencontre, de la 9e rencontre mondiale des familles. Le pape François qui... dans quelques instants, est attendu dans la pro-cathédrale catholique de Dublin pour écouter le témoignage de plusieurs couples. Le pape, qui vous le voyez, salue ses familles rassemblées près de la cathédrale. Famille, enfants. Le Saint-Père, qui ce matin, à son arrivée, a rendu une visite au président de la République. Et puis qui, vous avez pu le suivre en direct il y a un peu plus de 2 heures, était au château de Dublin tout à l'heure où il a prononcé un long discours, un premier discours important devant les autorités politiques et la société civile irlandaise. Je suis ravi de saluer et de retrouver tous nos auditeurs, ceux de RCF en particulier. Également ceux qui nous suivaient via EWTN TV et bien entendu tous ceux qui pouvaient suivre cette visite en direct depuis notre site Vatican News et notre lecteur vidéo. Le pape qui va dans quelques instants monter dans la Papa Mobile, il est arrivé dans une voiture fermée, voiture qu'il a prise ce matin pour revenir de l'aéroport. Et qui va effectuer son premier tour en Papa Mobile dans cette ville de Dublin, capitale de l'Irlande, où, je vous le rappelle, un pape ne s'était pas rendu depuis près de 40 ans, puisque la dernière visite d'un souverain pontife remonte à celle du pape Jean-Paul II. C'était en 1979, dans une Irlande très différente de celle d'aujourd'hui. Voilà, un pape très souriant. C'est... la première rencontre avec ces familles, avec ces catholiques d'Irlande que nous allons vivre en direct dans quelques instants. Après donc un moment, les moments plus politiques et plus solennels de ce matin. Alors je vous parlais de la pro-cathédrale Sainte-Marie de Dublin. Pourquoi ce terme de pro-cathédrale? Il faut d'abord rappeler qu'évidemment une cathédrale est reconnue comme l'église principale d'un diocèse. C'est là que se trouve la cathèdre, donc le siège de l'évêque, d'où son nom. Mais parfois, cette cathédrale peut être indisponible pour des travaux, par exemple. Et dans ce cas, c'est une autre église de la ville qui est désignée pour servir de cathédrale provisoire. Et donc, on appelle cela une pro-cathédrale. Mais dans le cas irlandais, nous sommes dans une configuration particulière. Une situation liée, évidemment, à l'histoire du pays et à l'histoire religieuse du pays. Dans la ville de Dublin, en effet, dans cette capitale irlandaise, il n'y a pas de cathédrale catholique à proprement parler depuis le schisme anglican. En 1536, l'église anglicane d'Irlande s'était appropriée la cathédrale Christ Church de la ville. Et la religion catholique avait été interdite jusqu'au 19e siècle, jusqu'en 1871. La pro-cathédrale actuelle, que nous allons voir dans quelques instants, a été construite, elle, en 1825. C'est un bâtiment donc assez récent. Suite à un assouplissement, on va dire, des lois pénales irlandaises qui frappaient l'Église catholique, ce bâtiment est resté depuis pro-cathédrale. Tant qu'une nouvelle cathédrale n'est pas construite ou inaugurée, ou tant que l'Église anglicane d'Irlande n'aura pas restitué donc cette église à l'Église catholique. Voilà, le pape François qui vient de monter dans la Papa Mobile et qui donc salue la foule massée derrière ses barrières au cœur de Dublin. Une visite du pape très attendue sur cette île irlandaise qui, on l'a dit, a vécu de nombreux tumultes, des tumultes économiques et sociaux, bien sûr, mais aussi... des tumultes liés au poids et à l'influence de l'Église dans la société irlandaise, une influence qui s'est fortement érodée au fil des années.
ce matin, je vous le disais, le pape s'est rendu au château de Dublin, un des édifices historiques de la capitale irlandaise, pour la première rencontre en public de ce voyage apostolique en Irlande, rencontre avec les autorités politiques, les membres du corps diplomatique, la société civile, des membres également d'autres religions, tous rassemblés, à peu près 300 personnes rassemblées dans la salle Saint-Patrick du château de Dublin. Vous avez pu le suivre tout à l'heure. Et le Saint-Père qui actuellement remonte les rues de Dublin pour se rendre à la pro-cathédrale Sainte-Marie. Pape François qui, je vous le disais, lors de son premier discours ce matin, est revenu sur la contribution de l'Église catholique dans la société irlandaise, ses défis, mais aussi ses erreurs, ses péchés. Et le pape qui s'est arrêté avec clarté, avec force sur les scandales d'abus sexuels qui ont miné la crédibilité de l'Église catholique sur l'île. La réponse au grave scandale des abus sexuels sur les mineurs a d'abord été un échec, a confié le souverain pontife. Le pape qui a rappelé et salué son prédécesseur Benoît XVI qui, souvenez-vous, s'était exprimé aux catholiques d'Irlande. C'était en 2010, voilà, le pape François qui va faire son entrée dans cette pro-cathédrale Sainte-Marie de Dublin. Il est accompagné de l'archevêque de Dublin, Mgr Diamond Martin. Et comme je vous le disais, le Saint-Père va écouter plusieurs témoignages de couples, de jeunes couples, deux jeunes couples qui vont lui rappeler l'importance et la fécondité du mariage, mais aussi un couple de personnes plus âgées, le Saint-Père qui asperge d'eau bénite l'archevêque de Dublin et les différentes autorités religieuses présentes devant cette pro-cathédrale. Le pape qui a embrassé ce crucifix et qui fait donc son entrée dans cette pro-cathédrale. L'agenda du pape en ce samedi, premier jour de son voyage en Irlande, est loin d'être fini puisqu'après ce temps à la pro-cathédrale Sainte-Marie, le Saint-Père se rendra dans un centre d'accueil pour familles pauvres, des familles de sans-abri, non loin de là, un centre qui est tenu par des religieux capucins. Et puis ce soir, le pape est attendu au Croke Park Stadium, le grand stade de la ville de Dublin, célèbre pour ses matchs de rugby notamment. Un stade où sont attendus des milliers de familles qui participent à ce grand rendez-vous, cette grande rencontre mondiale des familles pour une veillée parmi eux. Une veillée où seront qui sera émaillée de nombreux témoignages et de chants. Voilà le Saint-Père qui bénit une vieille dame présente cet après-midi. François, très souriant comme depuis son arrivée ce matin sur le sol irlandais.
Le pape qui, dans l'avion, confiait aux journalistes qu'il était évidemment très heureux de se rendre en Irlande pour rencontrer toutes ces familles et rencontrer en particulier cette église d'Irlande. C'est sa deuxième rencontre mondiale des familles après celle de Philadelphie en 2015, il y a 3 ans. Voilà le Saint-Père qui va prendre un temps de recueillement dans la chapelle latérale de cette pro-cathédrale Sainte-Marie de Dublin. Vous le voyez, le Saint-Père qui se recueille quelques instants. Un cierge a été allumé, cierge allumé en mémoire des victimes justement d'abus sexuels. Une image très significative de ce voyage du pape François en Irlande. Le pape François qui, tout à l'heure, lors de son discours devant les autorités du pays, est revenu sur ces crimes ignobles, c'est son terme, des abus sexuels, qui constituent un grave scandale toujours dans la société irlandaise en particulier. La gestion par les autorités ecclésiastiques a été d'abord un échec et une cause de souffrance et de honte. Le pape qui a rappelé la lettre au peuple de Dieu qu'il avait écrite lundi dernier, qui a été publiée justement pour mobiliser l'ensemble des catholiques face à ce fléau de la pédophilie et des abus sexuels dans l'Église. Voilà, le pape qui va s'asseoir devant l'autel. Une petite table et une chaise ont été installées. C'est un moment qu'il affectionne souvent, ce moment d'échange avec les fidèles. Et le salut de l'archevêque de Dublin. Saint-Père, 400 jeunes couples se préparent au mariage et sont là cet après-midi. Avant tout, Nous allons vous présenter un couple qui est marié depuis 50 ans et qui va donc vous adresser quelques paroles.
après des témoignages et des questions, évidemment, le Saint-Père prononcera un discours. Saint-Père, vous serez peut-être surpris du fait que cette réunion où il y a des jeunes couples, c'est avant tout à nous de prendre la parole. Et nous sommes des grands-parents et nous sommes mariés depuis 50 ans. La vie pour nous n'a pas été facile. L'Irlande était beaucoup plus pauvre. Les personnes ont lutté. Beaucoup ont dû émigrer. Nous n'avions pas à l'époque autant d'aide qu'il existe aujourd'hui. Aux jeunes réunis ici, nous voulons simplement dire la vie familiale mérite beaucoup d'efforts, mais elle en vaut la peine. La famille est liée à l'amour, un amour qui n'est jamais facile, mais un amour qui enrichit la vie. Je pense à l'amour des époux, à l'amour des parents vers leurs enfants et à tout le bien que les familles font pour enrichir les communautés. Et je pense à l'amour que nous avons reçu de nos enfants et de nos petits-enfants. La vie familiale n'a jamais été facile, mais nous avons toujours été soutenus par la prière silencieuse que nous avons prononcée dans les moments difficiles et de douleur, les prières de remerciement pour les petites et les grandes choses tout au long du chemin de notre vie, les prières qui nous ont fait aller de l'avant dans les moments plus durs. Le mariage et la vie familiale sont un engagement, mais avec l'aide de notre foi en Jésus-Christ, notre amour a toujours été la dimension la plus fructueuse de notre vie. Voilà un couple de grands-parents mariés depuis 50 ans qui prend donc la parole avant d'autres témoignages. Voilà, Denis et Sinead qui vont se marier le 27 septembre prochain. Je m'appelle Sinead Keoghan et moi je suis Denis Nutley. Dans un mois, nous allons fêter le sacrement de notre mariage, par le sacrement de mariage, l'amour que nous nous portons réciproquement. Avec joie, nous nous donnerons l'un à l'autre pour le reste de notre vie. Beaucoup parmi nos amis contestent l'idée d'un amour permanent. Mais nous sentons que l'amour est personnel et qu'il n'y a pas besoin de... Ils sentent que l'amour est personnel et qu'il n'y a pas besoin d'un encadrement institutionnel. Comment leur parler de la valeur de l'engagement permanent du mariage et du don spécial du sacrement du mariage? Voilà la première question adressée au pape François par ce couple, Sinead et Denis, qui vont se marier... dans un mois tout juste. Ils viennent des diocèses de Kildare et Leighlin, en Irlande. My name is Jordan Maguire. Je m'appelle Jordan Kyle et je m'appelle Stephen Maguire. Nous sommes mariés il y a tout juste un mois. Nous prions qu'un jour Dieu bénisse notre mariage en nous donnant des enfants. Alors que nous nous préparons à ce moment, de quelle façon devrions-nous nous préparer aussi à transmettre à nos enfants l'importance de la foi? Parce que tant de jeunes aujourd'hui, au cours de leur vie, perdent le don extraordinaire de connaître Jésus-Christ. Ce second couple vient du diocèse de Dublin, couple marié il y a tout juste un mois. Voilà le Saint-Père qui les salue chaleureusement. Et le pape qui va donc s'exprimer... Un exercice que le pape apprécie beaucoup, toujours ces moments d'échange.
Good afternoon. Bonsoir. Cari amici, sono lieto. Chers amis, je suis heureux de pouvoir vous rencontrer dans cette pro-cathédrale historique Sainte-Marie qui, au fil des ans, a vu d'innombrables célébrations du sacrement de mariage. Et en vous regardant, vous êtes jeune, je me demande. Ma non è vero quello che dicono. Que giovani non vogliono sposarsi. Mais ce n'est pas vrai quand on dit que les jeunes ne veulent pas se marier. Grazie. Merci. Grazie. Merci. Sposarsi e condividere la vita. C'est se marier et partager la vie. Una cosa bella. Et une belle chose. C'è un detto. Spagnolo qui dit così. Il y a un proverbe espagnol qui dit dolori. Les douleurs à deux mezzo dolore. Sont des demi-douleurs. Gioia in due. La joie gioia e mezzo. À deux est, est une demi-joie, est une double joie. Voilà, et cela est la, la voie du mariage. Tant d'amour a été manifesté, tant de grâces ont été reçues dans ce lieu sacré. Je remercie l'archevêque Martin pour son accueil cordial. Et je suis particulièrement heureux d'être avec vous, couple de fiancés et d'époux, qui vous trouvez à différentes étapes du parcours de l'amour sacramentel. Et la musique que nous avons entendue était très belle. Quella è una speranza. È la più bella musica. C'est la plus belle musique, une musique d'espérance. La più bella predica. La plus belle prédication. Quand il grido della speranza. Pleure un enfant. Il parlait d'une musique, évidemment, d'un enfant qui pleurait. Ça veut dire que la vie va de l'avant, la vie est féconde d'avoir des enfants. J'ai aussi salué une personne âgée, une dame âgée. Et c'est beau aussi de voir ces personnes âgées. Parce que les anciens sont pleins de sagesse. Il faut les écouter. Comment s'est passée ta vie? C'est vous qui avez commencé 50 ans après cette aventure du mariage. Vous avez tant d'expériences à partager. Le futur et l'avenir se rencontrent dans le présent. Et eux, les vieilles personnes, je me permets ce nom, la sagesse. Ils ont la sagesse. Ils ont la sagesse. Les belles-mères aussi ont la belle. Les belles-mères aussi ont de la sagesse. Le pape qui fait rire l'assemblée. Les enfants doivent écouter la sagesse. Vous devez écouter la sagesse des anciens. Et parler avec eux pour aller de l'avant. Parce qu'eux, ils sont à la racine. Elles sont les racines. Et vous prenez ces racines pour aller de l'avant. Voilà, ça me fait plaisir, c'est le cœur qui parle. De manière spéciale, je remercie pour leur témoignage Vincent et Teresa qui nous ont parlé de leur expérience de 50 ans de mariage et de vie familiale. Et merci aussi pour les paroles d'encouragement et pour les défis que vous avez présentés aux nouvelles générations de nouveaux mariés et de fiancés. Non seulement ici en Irlande, mais dans le monde entier. Le monde sera différent. Le monde a besoin
de votre expérience, pour aller de l'avant. C'est si important d'écouter les anciens, les grands-parents. Nous avons beaucoup à apprendre de votre expérience de vie matrimoniale, soutenue chaque jour par la grâce du sacrement. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous êtes trop disputé? Mais cela, c'est une part du mariage. Quand on ne se dispute pas, c'est un peu ennuyeux, il faut dire. Et le secret, les assiettes peuvent voler, mais le secret, c'est de faire la paix avant que se termine la journée. Et pour faire la paix, il n'y a pas besoin de faire un discours. Une caresse suffit. Un bisou suffit. Et la paix est faite. Vous savez pourquoi? Parce que si on ne fait pas la paix avant de s'endormir, la guerre froide du jour d'après est trop dangereuse. Et la rancœur commence à monter. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais avant d'aller dormir, faites la paix. Êtes-vous d'accord? N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Grandissant ensemble dans cette communauté de vie et d'amour, vous avez éprouvé beaucoup de joie et certainement aussi bien des souffrances. Avec tous les époux qui ont parcouru tant de chemins sur la route, vous êtes les gardiens de notre mémoire collective. Nous aurons toujours besoin de votre témoignage plein de foi. C'est un atout précieux pour les jeunes couples qui regardent vers l'avenir avec émotion et espérance, et peut-être avec une pincée d'anxiété. Comment sera, de quoi sera fait l'avenir? Et je remercie aussi les jeunes couples qui m'ont adressé quelques questions franches. Il n'est pas facile de répondre à ces questions. Denis et Shened vont s'embarquer pour un voyage d'amour qui, selon le projet de Dieu, comporte un engagement pour toute la vie. Ils ont demandé comment ils peuvent aider les autres à comprendre que le mariage n'est pas simplement une institution, mais une vocation, une vie qui va de l'avant, une décision consciente et pour toute la vie de prendre soin l'un de l'autre, de s'aider et de se protéger mutuellement. Bien sûr, nous devons reconnaître aujourd'hui que nous ne sommes pas habitués à quelque chose qui dure réellement pour toute la vie. Nous vivons dans la culture du provisoire. On s'est habitué à cela. Si je sens que j'ai faim ou soif, je peux me nourrir, mais ma sensation d'être rassasié ne dure pas même un jour. Si j'ai un travail, je sais que je pourrais le perdre contre ma volonté ou que je pourrais devoir choisir une carrière différente. Il est même difficile de suivre ce monde dans la mesure où tout autour de nous change. Les personnes vont et viennent dans nos vies. Les promesses sont faites, mais elles sont souvent rompues ou laissées inachevées. Peut-être que ce que vous venez de me demander est en réalité quelque chose de plus fondamental. N'y a-t-il vraiment rien de précieux qui puisse durer? C'est cela la question. Nulla cosa bella, nulla cosa preziosa dura.
Il semble que les choses précieuses ne peuvent durer. Pas même l'amour. Che possa durare. Neanche l'amore. E c'è la tentazione. Il y a la tentation pour toute la vie. Comme que vous disiez l'une l'un à l'autre. Mentre dure l'amore. E se l'amore non si fa crescere con l'amore, ne se fait pas, ne croit pas avec l'amour. Tutta la vita è un impegno per far crescere l'amore. Il faut s'engager à faire croître cet amour. Perché nell'amore parce que non c'è il provvisorio. Dans l'amour, il n'y a pas de provisoire. Questo si chiama entusiasmo. Cela s'appelle l'enthousiasme. Incantamento. L'enchantement, on pourrait dire. Amore è definitivo. Mais l'amour est définitif. C'est un moi et toi. Et comme si dice fra noi, et comme on dit, è la metà dell'arancia. C'est la moitié de l'orange. La mia metà arancia. Ça, c'est ma moitié d'orange. Toi, tu es l'autre moitié de l'orange. Et l'amour est comme ça. Nous savons comme il est facile aujourd'hui de rester prisonnier de la culture du provisoire ou de l'éphémère. Cette culture attaque les racines même de notre processus de maturation, de notre croissance dans l'espérance et dans l'amour. Comment pouvons-nous faire l'expérience dans cette culture de l'éphémère de ce qui dure vraiment? Ça, c'est une question importante. Comment pouvons-nous faire l'expérience dans cette culture de l'éphémère de ce qui dure vraiment? Et voilà ce que je voudrais vous dire. Parmi toutes les formes de la fécondité humaine, le mariage est unique. C'est un amour qui donne origine à une nouvelle vie. Il implique la responsabilité mutuelle dans la transmission du don divin de la vie et offre un milieu stable dans lequel la vie nouvelle peut grandir et s'épanouir. Le mariage dans l'Église, autrement dit le sacrement du mariage, participe d'une manière particulière au mystère de l'amour éternel de Dieu. Quand un homme et une femme chrétiens s'unissent par le lien du mariage, la grâce du Seigneur les habite. La grâce du Seigneur les habilite à se promettre librement l'un à l'autre un amour exclusif et durable. Ainsi, leur union devient signe sacramentel de l'alliance nouvelle, le signe sacramentel de cette alliance nouvelle et éternelle entre le Seigneur et son épouse, l'Église. Jésus est toujours présent au milieu d'eux. Il les soutient au cours de leur vie, dans le don mutuel de soi, dans la fidélité et dans l'unité indissoluble. L'amour de Jésus pour les couples est un rocher et un refuge dans les temps d'épreuve. Et par-dessus tout, il est une source de croissance constante dans un amour pur et pour toujours. Faites des paris forts pour toute la vie. Risquez. Parce que le mariage est aussi un risque. Mais un risque qui vaut la peine. Pour toute la vie. Parce que l'amour est ainsi. Nous savons que l'amour est le rêve de Dieu pour nous et pour toute la famille humaine. S'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Dieu a un rêve pour nous.
Il nous demande de le faire nôtre. N'ayez pas peur de ce rêve. Rêvez en grand. Faites-en un trésor et rêvez-le de nouveau chaque jour ensemble. Et de cette manière, vous serez en mesure de vous soutenir mutuellement avec espérance, avec force et avec le pardon dans les moments où le parcours se fait ardu et où il devient difficile d'apercevoir le chemin. Dans la Bible, Dieu s'engage à rester fidèle à son alliance. Même quand nous l'attristons et que notre amour s'affaiblit. Que nous dit Dieu dans la Bible? Que dit-il à son peuple? Il nous dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » Comme mari et femme, imprégnez-vous mutuellement de ces paroles de promesse, chaque jour pour le reste de la vie. Et n'arrêtez jamais de rêver. Il faut toujours se rappeler dans le cœur ces paroles de Dieu. Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Stéphane et Jordan sont de nouveaux époux et ils ont posé la question très importante sur la manière dont les parents peuvent transmettre la foi à leurs enfants. Je sais que l'Église ici en Irlande a soigneusement préparé des programmes de catéchèse pour éduquer à la foi dans les écoles et dans les paroisses. Cela est certainement essentiel. Mais le premier et le plus important lieu pour transmettre la foi est la maison. On apprend à croire à la maison. À travers l'exemple paisible et quotidien des parents qui aiment le Seigneur et font confiance à sa parole. Là, dans l'Église, dans la maison, que nous pouvons appeler l'Église domestique, les enfants apprennent le sens de la fidélité, de l'honnêteté et du sacrifice. Ils voient comment maman et papa se comportent entre eux, comment ils prennent soin de l'autre et des autres, comment ils aiment Dieu et l'Église. Ainsi, les enfants peuvent respirer l'air frais de l'Évangile et apprendre à comprendre, à juger et à agir d'une manière digne de la foi dont ils ont hérité. La foi, frères et sœurs, est transmise autour de la table domestique, à la maison, dans la conversation ordinaire, à travers le langage que seul l'amour persévérant sait parler. N'oubliez jamais, frères et sœurs, la foi se transmet par le dialecte de la maison, de famille, la vie à la maison, la vie domestique. Sette fratelli dei Maccabei, come la madre li parlava in dialetto, cioè in quello che da piccoli avevano imparato di Dio. Se è più difficile ricevere la fede, si può fare. C'est plus difficile de recevoir la foi si elle n'a pas été reçue dans notre langue maternelle, dans notre dialecte, dans la langue qui nous parle. Je suis tenté de vous parler d'une de mes expériences. Se serve, la dico. Je me souviens une fois, j'avais peut-être 5 ans,
Sono entrato a casa. Je suis rentré à la maison. E lì, nella sala da pranzo. Et là, dans la salle à manger. Arrivava dal lavoro. Mon père est arrivé du travail. Momento prima di me, io ho visto papà e mamma baciandosi. J'ai vu mon papa et ma maman s'embrasser. Et je ne l'oublierai jamais. Cosa bella, stanco dal lavoro. Quelle belle chose. Mon père qui était fatigué du travail. La forza di esprimere l'amore, mais il a eu la force d'exprimer son amour à sa femme. Così, et quand les enfants voient leurs parents s'embrasser, c'est comme ça qu'ils apprennent ce dialecte de l'amour. C'est la foi qui s'exprime à travers ce dialecte de l'amour. Donc, il est important de prier ensemble en famille. Parlez de choses bonnes et saintes. Laissez Marie, notre mère, entrer dans votre vie familiale. Célébrez les fêtes chrétiennes. Vivez en solidarité avec ceux qui souffrent et ceux qui sont aux marges de la société. Une autre anecdote. Je connaissais une dame qui avait trois enfants. 7, 5 ans et 3 ans, plus ou moins. Era un bravo matrimonio. E loro avevano tanta fede. Et dans cette famille, ils avaient beaucoup de foi, ils étaient très croyants. Et ils enseignaient à leurs enfants à aider aux pauvres. Una volta erano a pranzo. Et une fois, au déjeuner, la mère était avec ses enfants, le père était au travail. Quelqu'un frappe à la porte. On ouvre la porte. Et un des enfants dit : « Maman, c'est un pauvre qui demande à manger. » Il mangeait un entrecôte à la milanaise. C'est délicieux. Et la maman demande aux filles : « La mère demande aux enfants : « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et les enfants répondent : « Oui, oui, on lui en donne. » Et la mère a pris un couteau, a commencé à tailler la moitié de l'entrecôte. Et les enfants ont dit : « Ai poveri, da del tuo. » Non, 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 non. Non di quello che avanza. Non, non. Così quella donna di fede. La mère a commencé à couper l'entrecôte des enfants et eux ont dit : « Non, 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 donne la tienne. » Et la mère a répondu à ses enfants : « Non, non, c'est de votre plat, de votre entrecôte qu'on va partager, qu'on va la donner à cette personne pauvre. » Voilà, tout ça pour vous dire que il est important que s'exprime ce dialecte de la foi dans les familles. Et donc vos enfants apprendront comment partager les biens de la terre avec chacun, s'ils voient leur comment leurs parents sont attentifs à celui qui est pauvre. Vous serez leur premier maître dans la foi. Les vertus et les vérités que le Seigneur nous enseigne ne sont pas toujours populaires dans le monde d'aujourd'hui, qui a peu de considération pour les faibles. Pour les personnes vulnérables et pour tous ceux qui sont jugés improductifs, le monde nous dit d'être forts et indépendants, peu soucieux de ceux qui sont seuls ou tristes, rejetés ou malades, pas encore nés ou mourants. Tout à l'heure, j'irai rencontrer en privé quelques familles qui font face à de sérieux défis et à de réelles difficultés, mais auxquels les pères capucins manifestent amour et soutien. Notre monde a besoin d'une révolution de l'amour. L'atmosphère que nous vivons
et piuttosto di egoïsme. L'atmosphère dans laquelle nous vivons est marquée par l'égoïsme. Et le monde a vraiment besoin d'une révolution de l'amour. Que cette révolution commence chez vous et dans vos familles. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a dit que nous sommes en train de perdre notre capacité d'aimer. Lentement, mais résolument, nous oublions le langage direct d'une caresse, la force de la tendresse. On a l'impression que la parole tendresse a été retirée du dictionnaire. Il ne peut y avoir une révolution de l'amour sans la révolution de la tendresse. Et avec votre exemple, puissent vos enfants être guidés pour devenir une génération plus prévenante, plus affectueuse, riche de foi, pour le renouvellement de l'Église et de toute la société irlandaise. Ainsi, votre amour, qui est un don de Dieu, prendra racine encore plus profondément. Aucune famille ne peut grandir si elle oublie ses propres racines. Les enfants ne peuvent pas grandir dans l'amour s'ils n'apprennent pas à communiquer avec leurs grands-parents. Par conséquent, laissez votre amour plonger des racines profondes. N'oubliez pas que tout ce qui est sur l'arbre est fleuri, vit de ce qui se trouve enfoui. Le pape cite un poème argentin. Permettez-moi d'en faire la publicité. Insieme al papa. Insieme al papa possano le famiglie. Avec le pape, puissent les familles de toute l'Église, représentées cet après-midi par des couples anciens et jeunes, rendre grâce à Dieu pour le don de la foi et la grâce du mariage chrétien. Pour notre part, nous nous engageons avec le Seigneur à servir la venue de son règne, de sainteté, de justice et de paix, avec la fidélité aux promesses que nous nous avons faites et avec la persévérance dans l'amour. Merci pour cette rencontre. Voilà le pape François qui, depuis la pro-cathédrale de Dublin, vient de s'exprimer devant ces couples. Saint-Père qui achève son discours. À présent, je vous invite à prier ensemble. La prière pour les familles. Et je vous donnerai ma bénédiction. Et je vous demande de prier pour moi. N'oubliez pas. God, our Father, we are brothers and sisters in Jesus Christ, one family in the spirit of love. Bless us with the joy of the love. Make us gentle and generous, welcoming to those in need. Help us with cette prière des familles ici à Dublin, en compagnie de ces nombreux couples, ils sont environ 300 couples à s'être rassemblés cet après-midi dans la pro-cathédrale Sainte-Marie. Nous pensons à nos chers, à ceux qui nous sont familiers. Mary, Mother and Wife, pray for us. Saint Joseph, Father and Protector, pray for us. Saint Joseph and Nathaniel, pray for us.
God bless you all. Que Dieu vous, Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Et voilà pour cette rencontre du pape François avec ses premières familles irlandaises, ses couples, couples de jeunes mariés ou futurs couples de mariés, couples aussi avec des enfants, où vous l'avez vu aux images et parfois entendu, le pape qui tout à l'heure s'est amusé et a expliqué que la musique des enfants qui pleuraient est une douce musique et montrait que justement ces familles allaient de l'avant, pleines de confiance dans la vie. Alors que résonne le Magnificat, le Saint-Père donc s'entretient avec Monseigneur Martin, l'archevêque de Dublin, qui l'a accueilli tout à l'heure. Et dans quelques instants, je vous le disais, le pape le mentionnait, le pape se rendra dans une maison qui vient en aide aux familles pauvres, aux familles de sans-abri, maison tenue par les moines capucins. Le pape qui a salué notamment ce couple, Vincent et Teresa, qui a commencé tout à l'heure ce moment. Couple qui a fêté ses 50 ans de mariage et qui a rappelé que la vie matrimoniale valait la peine malgré les difficultés. Voilà, le pape très applaudi cet après-midi à Dublin. Après ce temps, cette visite en privé auprès des plus pauvres, tout à l'heure, le prochain rendez-vous sera ce soir, comme je vous le disais, au stade, le Croke Park Stadium à Dublin, à partir de 20h15, heure de Rome, 19h15, heure de Dublin, le Saint-Père qui retrouvera les milliers de familles pour cette grande veillée. Veillée au stade que vous pourrez suivre en direct aussi depuis Vatican News, avec commentaires en français. Et puis demain, le Saint-Père se rendra dans l'ouest de l'Irlande. Il prendra l'avion, il ira au sanctuaire marial de Knock, avant de revenir à Dublin pour le moment final de ce week-end et cette rencontre mondiale des familles, la messe, la grande messe qu'il célébrera à 15h, heure de Rome, en direct au Phoenix Park de la capitale irlandaise. Merci de nous avoir accompagnés, merci pour votre fidélité. Là au détour, Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ.